Salut tout le monde, c'est Eldezo, et on se retrouve aujourd'hui pour le let's play numéro... Et j'ai encore perdu le fil. Je sais plus si c'est le 5 ou le 6. Je suis désolé, de toute façon vous le verrez dans le titre, hein, lequel c'est. Donc on en est à la deuxième partie de l'acte 2. On vient tout juste de déverrouiller un CTOS et on a aussi fait... On a tué un mec, c'était... Je m'en rappelle plus de son nom. C'était... Oh, je sais plus, c'est celui de la nouvelle ville qu'on a débloqué. C'était le tout premier. Donc, maintenant on va attendre l'appel de je ne sais plus qui. Voilà. À la télé, ils parlent d'un incendie dans ton motel. Tu peux pas faire ton check-out comme tout le monde. Tu m'as déjà vu faire quelque chose comme tout le monde. Mais tu fais de l'humour. Ça fait longtemps que j'ai pris l'habitude. T'habitues pas. C'est pas prêt de se reproduire. Ah désolé, ça a coupé, c'est vrai. Je voulais passer le point pendant qu'il parlait, mais... Bon, ça recommence. J'ai plus accès à mon réseau, il me faut du matériel. Ah, ça c'est pas mon problème. T'as pas voulu qu'on bosse en équipe, tu te débrouilles. Mais dépêche-toi, j'ai besoin de toi à 100%. Hé ma belle, y a ton frère qui veut te parler. Aiden, Jack, est-ce que mon fils va bien? Il est en sécurité. Où es-tu? Je sais pas. Il fait froid. J'avais les yeux bandés pendant tout le trajet. J'ai peur, Aiden. Je sais, mais t'inquiète, je vais te sortir de là. Écoute, je connais Damien. C'est pas un malade, il ne fera pas de mal. Mais sois prudente quand il est là. Comment ça, tu le connais? Il m'a kidnappé. Il se sert de toi pour m'atteindre. Quoi? C'est fini. Bon, dis donc, que tu lui as dit? Elle est en larmes, la pauvre fille. Damien, repasse-la-moi. Si tu veux continuer à discuter, tu suis l'adresse IP et tu m'apportes quelque chose d'utile. Salut. Ok, elle est en vie. FDP. Elle est dans un endroit où il fait froid. En extérieur, peut-être. Si je lui demande plus d'infos, je pourrais peut-être la localiser. C'est bon? T'as fini de parler? Allez, c'est parti. J'ai perdu tout ce que j'avais. Tous mes disques durs et même mon accès réseau. Il faut que je trouve le moyen de me remettre en ligne. Et elle est où, Clara? Oh, fais gaffe, Aiden. Tu peux pas la mêler à tout ça. Tiens. Merci. Ces types, c'était qui? Aucune idée. Ils ont dû repérer la recherche sur CityOS. C'est de ça que je voulais discuter. DedSec raconte que quelqu'un d'autre a les codes de piratage. Tu sais, ce que je t'ai donné. Non, attends. Je les ai donnés à personne, tu peux me croire. Il faut qu'on se fasse confiance. Bon, écoute, j'ai pas vraiment le temps de te rassurer, Clara. Si tu me crois pas, j'y peux rien. Quelqu'un a mitraillé ma chambre de motel, ma sœur a disparu et j'ai aucune piste. Alors t'es pas ma priorité pour l'instant. Non, bien sûr que non. Je le sais, ça. Tu connais cet endroit? Quelque part par là, c'est censé être le premier site de test du CityOS. On l'appelle le bunker. En tout cas, c'est ce que dit la légende urbaine. Le bunker? Avec accès à la ville entière? Un accès indétectable. J'ai fait des recherches pendant des mois. J'ai épluché le cadastre, quadrillé la ville et cherché tous les trucs cachés. Il y a une zone vierge sur toutes les cartes, juste là. Enfin, dans le coin. Et pour le motel, j'ai peur que t'aies perdu ta caution. Faut que je trouve
entrer dans le bunker. Ça pue l'amour. L'accès fantôme à toute la ville. Ça peut être utile. Je veux pas descendre, je veux pirater cet enfoiré de pont. Ah. Qui tu es, toi? Si tu peux faire ça, tu peux m'aider à entrer. Tobias Frewer. Bon, quelqu'un est allé sur l'île il n'y a pas très longtemps. Son nom, c'est Tobias Frewer. Bien sûr. C'était un des pionniers du CityOS, jusqu'à ce que Bloom décide de le virer. Ce mec, soit il est fou, soit il prend des trucs. Peut-être même les deux. On a essayé de le contacter, pour voir ce qu'il savait sur l'île. Et il nous a sorti son fusil à pompe. Il habite pas loin d'ici, dans un campement de sans-abri. Il est SDF ? Il tient un magasin clandestin, surtout. Les gars de DedSec y vont quand ils ont besoin de matériel spécial. Mais laisse tomber. Dira rien, c'est un parano. Je suis du genre persuasif. Attends, je vais voir ce qu'il sait. Bon, je te laisse parler, d'accord? Tu crois vraiment que cet endroit existe, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il existe. Alors tu crois vraiment au conte de fées? Quand j'étais petite, papa m'emmenait camper à Mont-Tremblant. Il disait qu'on allait à la chasse au trésor. Évidemment, à l'époque, je comprenais pas, mais en fait, ils cambriolaient les chalets. Montre en or, bijoux. Je me rappelle de son sourire quand il volait quelque chose de spécial. Comme la fois où j'avais trouvé une pièce rouillée avec un empereur dessus. Il m'a dit que c'était une vieille pièce romaine. Inestimable. Mais il m'a dit de la garder. Que c'était ma clé pour un monde magique. L'Empire romain tout entier. À mon avis, je dois tenir ça de lui. L'amour des contes de fées. Eh ben, j'espère que ce bunker existe aussi. J'en suis sûr. La police a ouvert une enquête, et les autorités se félicitent de la réponse rapide du CityOS. La zone a pu être sécurisée en quelques minutes. Voilà. C'est ici que Tobias vend son matériel. Surtout des trucs de marché noir. Tu pourras y trouver des plans assez rares, si t'as de la chance. Il est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un dans le coin sait comment le joindre. Je vais jeter un œil. Trop de gadgets pour un endroit pareil. Sympa, la déco. Bon, que va-t-il faire? Hop. Putain, la cinématique elle était tellement longue, j'ai cru que j'allais m'endormir en fait. C'est bon, je crois que c'est pour ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai pas trop parlé après la fin. Tac, tac, tac. C'est quoi ça? Les systèmes. Non. Bon. Ah, c'était quoi ça? Désolé. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de faire un poker là. Ah ouais, t'as des clients. Hé, hey, je suis fermé là. Attends, il ressemble à quoi? Je sais pas moi, une nana si punk, hein. Ouais, je suis fermé. Ils jouent au poker. Je pourrais peut-être jouer avec eux. Un poker. Voyons voir où tu te caches. Ça y est, je te tiens.
J'ai trouvé l'autre là, Tobias, tu sais? Je vais le chercher tout de suite. Les voilà. Ils vont bientôt le retrouver. Je dois les arrêter. C'est parti, mon kéké. Je vais le bouillable. T'avais raison, les parano. Mais je l'ai trouvé. Tu veux y aller tout seul, c'est ça? Je comprends. On se retrouve sur l'île. Si j'étais arrivé un petit peu plus tôt... Je crois qu'ils m'ont capté. Comment je peux faire là? Il n'y a qu'une grande ligne. Ça va jusqu'au chemin. Là-bas, c'est bon. Je vais les mettre à l'île. Je vais les mettre là-bas. Enfin, c'est bordel cette bagnole. Vas-y, tourne. On va bien rigoler, tu vois. Il me faut du renfort. Balanceur de la route. Et voilà. Oh fuck. Il lâche son véhicule. Ah merde, t'es pas avec moi toi. Oh putain. C'est le bordel. Mettez-vous à couvert. On en prend plein la gueule. Fou, toi tu l'as pris en pleine tronche. Ça a pas dû faire que du bien. Il en reste un. Bam. Maintenant, on va aller se faire un petit poker avec Tobias. Il n'y a que lui qui peut nous faire entrer sur l'île de Clara. Il me faut une voiture maintenant parce que... Oh, tais-toi la musique. Putain, elle a l'air bien, pourtant elle est pourrave. Alors... Où est-ce qu'on se le fait ce petit poker? Poker, poker, là. C'est parti. Ouais non, elle est pour la voiture en fait. Et bien comme il faut. Elle se tape des petites accélérations en fin de régime, mais sinon, pas grand chose. Oula 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 oula, calme toi. Genre à l'arrière de la voiture. Normal. Hop les. T'es où? Ici. Voiture, j'écrase les gens, quoi. Bon, apparemment, ils s'en foutent que je vienne ici. Du poker illégal dans le coin. Grosse surprise. Tobias doit être l'un d'entre eux. Oh, arrête avec tes conversations. Ah, trouvé. C'est pas lui. C'est lui. Ok, ils parlent même pas les types. Je vais jouer avec vous. Trop stylé, on va vraiment faire un poker là. Dealer, petite blinde, grosse blinde.
Ça fait longtemps que j'ai pas joué au poker. J'ai pas regardé mes cartes. On va suivre. Qui t'es, toi? Je te connais pas. Je le connais pas. Du calme. C'est toi, Tobias? C'est pas tes oignons. Bon, je vais prendre ça pour un oui. Non, prends ça comme un, c'est pas tes oignons. Eh, hey, t'es agressif comme mec. C'est pour ça que Bloom t'a viré. Oh, elle est déjà finie la partie. C'est déjà en haut. Que les cours vite. Mais qui t'envoie? Faut l'attraper, faut pas le tuer. Faut que je fasse gaffe. Parce que j'ai du mal encore avec ça. Là, ralentis un petit peu déjà. Vas-y, intercepte. Je peux passer. Oui, je peux passer. Abruti, va t'escalader comme ça. Tu te trompes de personne. C'est mieux ce que je me disais. Ah merde. Ah, j'aurais pu l'avoir. Là. Attends. J'ai juste besoin d'un truc. Après, je te laisse filer. Non, pas moyen. Ils vont le savoir. Je suis pas avec eux. Pourquoi je devrais te croire? Parce que je pourrais te tuer et me servir. C'est pas une réponse, mec. Bon, écoute. Je bosse pas pour qui tu crois. Cette conversation restera entre nous. Y a pas d'alim au bunker. Rien. Pas de courant, tu piges. C'est devenu un vrai cimetière. D'accord. C'est pas très grave. Maintenant que j'y pense, c'était déjà comme ça, un cimetière. Tous ceux qui se sont approchés de cette terre, tous un pied dans la tombe. Mais ça va. C'est tranquille ici. Enfin, je crois. Mais oui. Tobias. Tu veux bien te donner la télécommande? S'il te plaît. C'est moi qui l'ai fabriqué. La télécommande. Oui. C'est ça mon truc, moi. Je bricole. Et c'est très bien. Allez, donne-la-moi. D'accord. Ça. Oh, tiens, va, prends. Merci. C'est à lui, en fait. Elle est lourde, hein? Ouais. Et crois-moi, ça va devenir de plus en plus. Eh, dis. Si t'as besoin de quelque chose, n'importe quoi, hein, viens me trouver. Parce que je bricole, moi. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à aller à l'endroit de... Ben voilà, magasin de Tobias. Pourquoi il 9 289 $ écrit dessus? Passe au magasin clandestin de Tobias pour acheter des outils artisanaux. Prêt à l'emploi, trouver des articles spéciaux, brouillage, blackout, scan, CityOS, exclusivement disponible au magasin de Tobias. Ok. Donc... Ce qu'il nous reste à faire, c'est se déplacer. Il n'y a pas le téléphone qui sonnait il y a 2 secondes. Je pourrais très bien devenir aussi taré que Tobias. Ah mince, il n'y a pas encore de chercher par les mêmes types. Et puis maintenant, je suis SDF moi aussi. Mais il a pris des médocs ou de la drogue. Si j'étais lui, je ferais gaffe. Il est recherché par les fixeurs. Et s'il le retrouve, qui sait ce qu'ils lui feront. Et au fait, Maurice m'a gentiment donné des coordonnées. Il a l'air convaincu que tu trouveras quelque chose. Il dit que si tu veux des réponses, tu vas devoir suivre sa piste. J'ai aucune idée de ce qu'il veut dire, mais je pensais que ça pourrait t'intéresser. T'as eu raison. On progresse.
Il veut que je comprenne pourquoi il a fait ça. Trouve-lui une récompense ou quelque chose, ok? Quoi? Je lui donne un cookie? Je sais pas. Sois créatif. La fille me fait délirer à chaque fois, ce mec. Il n'y a pas moyen que j'aille là-bas, moi. Je vais traverser le pont. C'est mal fait, ça, par contre. Je peux pas sauter, quoi. Ah, ah, si, c'est bon. Ok, je vais passer par là. Hop, les... Putain, j'ai cru que j'allais faire un vol plané sur la route d'en bas. Oh, vous croyez que je tiens jusqu'où comme ça? Jusque là. Allez. Ouh, c'est pas passé loin. T'as la moto, franchement, c'est... je trouve ça vachement calé dans le jeu. La conduite de la moto, par contre. Oh, je suis même pas tombé. Je trouve que sur GTA, d'ailleurs, la conduite de moto est moins bien que sur ce jeu-là. Énormément sur cette légende. Et Tobias avait l'air d'en avoir peur. Le côté mythique de l'endroit m'intéresse peu. Mais si ça peut m'aider à retrouver Nikki, alors pourquoi pas? T'as retrouvé Tobias? Ouais, ouais. Et alors? On a joué au poker. On a discuté gentiment. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Clara, le bunker existe. Je te l'avais dit. N'y va pas sans moi. J'arrive tout de suite. Trop T'inquiète tard. Pas, je dois encore rétablir le courant. Ensuite, faut trouver une entrée. On se voit bientôt. Bon. Faut que j'active tous les générateurs. Enfin, je sais pas si c'est des générateurs. En tout cas, faut que je l'active. C'est là-haut. Ouh, j'en avais jamais vu dans le jeu. Ouh, toi au retour. Je vais t'essayer. Putain, ouais. Bah, je suis désolé pour ta bagnole. Il a pas trop fallu que tu l'épluches pour trouver ma clé USB. T'as trouvé les clés qui marchent pas, hein. La balle est dans ton camp maintenant. Juste pour dire que j'ai déjà vu le coup de la voiture. Ok. Je comprends pas toujours ces fichiers audio. Je sais pas du tout de quoi il parlait celui-là. Bon. Par où je peux monter là? Pas une caméra au pire, c'est quoi ça? Vous avez vu ces trucs? On dirait. Il n'y a pas moyen de faire des zooms ou quoi que ce soit, c'est chiant. Attends, je vais vérifier quand même. Ah non. De loin on aurait dit un slender mais en fait non. Alors comment je vais faire pour monter là-haut? Non, range ton arme. J'ai dit range, pas change. Par là. Faut que je rentre d'abord. Par où est-ce que je peux rentrer? Là-bas t'as un camion. Parce que si je le fais descendre, ça va rien changer. Oh merde.
Remonte. Non, on peut pas monter par-dessus. Bon, on va faire le tour. Oh putain, mais il veut pas passer par-dessus. Par ici? Non. C'est chiant. Non. Trouver. Enfin, je pense avoir trouvé. Oh putain. Ah, mais voilà. Suffit de demander. Y'a rien ici. Hop. Pourquoi il faut-il une carte d'accès pour entrer là? Ah putain, j'y crois pas. Attendez, là. Alors. Hop. Putain, il y en a trois à faire comme ça. Hop, les... Alors on a dit par ici. Ah. Il est mort de rire, tu sais, le Hayden. Ah, trop cool, j'ai fait péter un truc. Ouais, c'est trop fun. Et voilà. Et de Luc 2. Ah, c'était bien le générateur. On va redescendre par là. Ah, mais après je vais te coincer. Ah non. Il va falloir plus de courant que ça. Tu peux chercher l'entrée. Comment Bloom a pu planquer un endroit pareil? J'espère qu'il y a un ascenseur secret. On appuie sur un bouton et le sol s'enfonce dans une base souterraine. Quoi, sous l'eau? On est sur une île. Ah oui, pas bête. En haut alors. Un des immeubles. Je continue à chercher. Cool. Moi j'ai testé la moto. C'est lequel le plus près? Ah, ici il y a une ligne droite qui va pile poil. On va aller à celui-là. Il sera fait comme ça. C'est la première fois que j'en vois une. Ah. Oula. C'est ce que je me disais. Je vais pirater la porte. Là-bas. Caméra. Non, je peux rien transporter pour l'instant. Ah ah ah. Putain, il l'avait caché, hein. Bon, c'était facile à trouver, mais quand même. Caméra là-bas. Faut suivre les caméras. Ah, je sais. Putain, je te jure. Regarde-moi ça. Donc, faut aller en haut maintenant. Par ici. Tu veux pas monter ? Y'a pas moyen de le faire marcher lui ou je sais pas ? Bon, apparemment il veut pas monter par là. On va essayer de trouver un autre endroit. Parce que c'est là-bas. Ici il y a pas mal de trucs aussi. Les escaliers ils commencent... C'est un mur, tu sais. Un escalier dans un mur, ça sert à rien. Alors comment je vais faire pour monter là-haut, moi?
moyen de monter ici, j'imagine. Non, mais non, c'est un... C'est un gros truc qui sert à rien. Encore des... Ah! Celui-là, il y a peut-être moyen de le choper, non? Non. Pourquoi il y a une caméra ici? Ça, ça m'intrigue quand même. Caméra qui sert à rien. Alors pourquoi ils ont fermé ça ici? Il y a quelque chose de... Ah! Putain, faut que je refasse tout le tour. J'ai trouvé la... Oh non, on fait chier. Putain, allez, on est reparti. J'aurais dû prendre la moto, tu sais quoi. La prochaine fois, j'y penserai. Sur une petite balade, on va regarder le paysage, hein, c'est pas grave. Pas grave du tout, même. Si, c'est grave, ça me fait chier. Donc... Ah non, y a pas moyen de monter là. Ah là là. Fallait que je prenne... depuis le début, là-bas. Alors, comment je peux monter là-haut? On va essayer par... par ici. Et là, peut-être. Voilà. Ah, ce qui est déjà déverrouillé. Yes. C'est presque fini. Quand on y sera, tu pourras nous connecter au réseau. Attends, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Si je foire le coup, je t'autorise à déchirer ma carte de hacker. Attends, t'as vraiment une carte de hacker? Fais-nous entrer. Et peut-être que je te la montrerai un jour. J'y travaille. Ah ben là, tu es juste là. J'espère qu'ils sont conscients qu'ils sont franchement très chelous les types. ah. Hop. Il y avait écrit carré transporteur, non? C'était pas pour celui qui était à côté? Ou même celui-ci, hein? Trop puissant le type. Bon, ensuite on va où? Ça sert à rien ce que je viens de faire. Je suis sûr que ça sert. Voilà. Et qu'est-ce que tu dis de ça? Donc. Une caméra. Gagné. Oh ben, trop facile. Elle était où la porte? Là. Oh. Merci. Ah mais c'est qu'il y en a plusieurs. Faire ça. Là.
Et c'est gagné. Yes, we did it. Ça y est. Le système vient de se réactiver. Attends-moi. Pourquoi? Ça craint rien. Personne n'y a accédé depuis des années. Pourquoi? Parce que je veux voir ta tête quand on ouvrira la porte. Putain, mais eux, à la fin du jeu, ils vont se trouver des grosses pelles. Bon. Pourquoi il y a un truc orange, là? C'est les points rapides pour les repères, ça, normalement. Accès au bunker. Fonction inconnue. Bon, on verra plus tard. Je crois que ça va être notre nouveau chez nous. C'est vers là le bunker si je me rappelle bien. C'est où l'entrée? Ah merde, c'est là-bas. Ah, mais c'est qu'il est juste là, le truc. Je l'avais même pas vu, quoi. Ok. Ah, mais c'est que ça bouge. Oula, attention, ça devient chaud. J'avais raison. Clara, il faut qu'on fasse un pacte. Personne ne doit savoir. En tout cas, jusqu'à ce que j'ai fini. Bien sûr. Bon, voyons si on peut rallumer tout ça. Ça va, vas-y, pas mal quand même. La petite baraque. Si rien. J'y vois rien du tout. Tu pourrais allumer. Oh, c'est sérieux. Je suis obligé d'enjamber, quoi. Hop, attends. Ah, mais il y a un point jaune. Il doit y avoir un interrupteur quelque part. Ah, oh, c'est chiant. Là. J'étais à côté. Hop. Oh non. Allez, quoi? Bloom a pris le gros du hardware, mais les connexions, c'est ça le plus important. Voilà. On peut nous repérer ici? C'est un site sécurisé, conçu pour être intraçable, incraquable. Ouais, on est pourtant sur le point de le craquer. J'ai besoin de savoir d'où vient cette adresse IP. Laisse-moi voir. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est juste une piste, c'est tout. Comment Damien a trouvé ça? C'est plutôt bien caché. Toutes les entrées sont fermées. On dirait que ça vient du quartier de Rossi Fremont. Le territoire des Viceroy. La télésurveillance. Je
peux m'en servir pour voir l'intérieur. Tu peux me connecter d'ici. Non, ils sont complètement séparés du réseau. C'est très bizarre. Si je peux pas le faire d'ici, je vais me connecter à la source. Tout sera opérationnel avant ton retour. Allez, c'est reparti. Acte 2, dans le coin. Ah, elle est où la porte d'entrée là? Merde, par où je suis rentré quoi. On va aller voir là-haut. Ah, c'est ici. Et ça alors, c'est ça quoi. On sait toujours pas. C'est une connerie d'entraîner Clara dans tout ça. La confiance, c'est dangereux. Mais sans elle, je serais complètement paumé. Clara, c'est la seule personne que je considère comme une amie. Tu la connais depuis 2 jours, connard. Bon, alors... ici. Mais elle est pas super non plus quoi. Par contre dans Gawain je trouve qu'elle tombe bien. Plus que les autres en tout cas. Regardez, 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 ça passe. Oh putain merde, fallait tourner. Là c'était pas possible. J'ai envie de tester quand même. Est-ce qu'on peut cabrer? Bah c'est bien fait pour ça. Ouais si je ralentis non. On pas mettre des à-coups ni rien. Hop hop hop. Il y avait un truc là-bas. Faites demi-tour. On va le regarder juste pour rigoler. Bah attends, je suis même pas dedans, pourquoi ils me tirent dessus ces enfoirés? Allez, oubliez-moi. Non, vous voulez pas? On ne sait pas. Vous voulez vous la jouer comme ça hein? On va se la jouer comme ça. Enculé. Je sais pas ce qu'il y a lui mais... ça fait un joli bruit. Ici. Il est. Un charge, voilà.
Derrière moi. J'ai pas fait gaffe. C'est nain ça aussi. C'est bon, les autres sont de l'autre côté. Allez, je vous couvre. Il est pas trop tard. Espèce de guignol. Il était en train de camper là à côté de moi. C'est quoi ça? J'arrive pas à l'avoir celui qui est derrière. Il y a un gros point rouge ici, hein. Je sais pas ce que c'est. Menace éliminée. Et hop. Par ici et par là. Là on retourne. Et là on retourne. Voilà. Le CityOS enregistre notre quotidien 24 heures sur 24. Et le public n'en sait rien. Je sais pas ce que ça fait si je pirate pas tout. Parce que la dernière fois j'avais pas tout piraté, je crois bien. Et avec ce gros écran devant moi là, j'y vois que dalle. Ah, génial. Alors là moi je pèterai un câble. Thank you. Bon, il reste plus que ça, c'est bon. Ah, attendez. Ça a verrouillé autre chose tout à l'heure. Ouais, regardez. Bon, non, ça a fait le truc. Et voilà. Comment je lag parfois. Et encore c'est que les premiers jeux, putain. Si la Play 4 de laguer alors que... Si la Play 4 lag pour les premiers jeux qui sortent parce qu'ils sont un peu trop puissants, j'imagine même pas si... ce qui va se passer quand il y aura les derniers jeux qui sortiront dans 6 ans. Alors, tac. Hop. Le Kid Queen fait de nouveau l'actualité, cette fois-ci pour ses œuvres caritatives. Aujourd'hui, des représentants de l'hôtel Merlot, dont il est propriétaire, ont annoncé l'organisation d'un grand dîner de gala. Le maire devrait être présent à cette soirée qui devrait ré... Allez, tais-toi, s'en fout du maire. Pour info, je te vois plus sur ma grille, t'as disparu. Ah, Rossi Fremont. Ils avaient tellement d'espoir pour ce district. Tout ce qu'ils ont fait, c'est rassembler les gangs au même endroit. Et la loyauté envers le quartier est devenue une loyauté envers la cité. Et le reste des gens? Ils ont fait avec, ou ils sont partis. Je vais jeter un œil, et essayer de voir ce qu'ils manigancent. Alors... Oh putain, mais il y a plein de points rouges. Je le sens mal... L'IP de Damien aboutit quelque part dans le coin. Ces types contrôlent l'endroit comme une forteresse. Je pourrais pas y aller seul. Bon. Je vais m'infiltrer dans leur réseau. Comme ça, je pourrais jeter un œil à l'intérieur. Pas moyen de choper... caméra ou je sais pas. Ça va, mon pote ? Viens par là ! Tu veux t'amuser, je vais te donner de quoi rigoler. Arrête de faire ce connard. Pas moyen que je rentre par là.
suis sûr que si je rentre. Hop, j'ai compris. Hé, la fouine, si tu tiens à tes couilles, reste pas à traîner là. Parce que là, c'est des mecs de gang, je pense que si... Si j'y rentre comme ça, ça va pas le faire. Ah, j'ai débloqué un véhicule. C'est lequel le dernier que je vais débloquer? J'espère qu'il est prêt à se prendre une balle. Oh oh oh. Ils m'ont déjà tous oublié quoi. Hop. Putain, faut vraiment que je sois à côté quoi. La grosse étoile là, je la sens mal. Ils l'ont complètement rerouté. Et il n'y a pas que le CityOS qui est hors ligne. Non. Tout le quartier. Ah, je pouvais là, il y a deux secondes. Ils vivent ici comme dans une zone de guerre. Ça explique pourquoi Bloom n'a rien réparé. Non, Bloom a les moyens de réparer ça. Il y a autre chose. Le voilà le bâtard. Allez, c'est parti. Réveillez-vous les gros. Il s'en fera pas. Il s'en branle lui. Putain, c'est chiant que j'ai pas. Ils meurent tous petit à petit. Il est où le dernier là-bas? Enfin l'avant-dernier, je crois qu'il en reste deux. Là. Putain, l'arbre. Il y a un snipe en plus, je l'ai vu le laser. Oh, t'es sérieux? Oula. Meurs. Il est mort. Oh putain. J'aime bien le snipe. Putain, on les voit presque pas quoi. C'est bon. Ah, lui il m'a vu. Qu'est-ce que tu comptes faire de si loin? Ils sont 46 au bout là-bas. Pas moyen de jouer un peu plus. C'est... Putain, mais il tire au pigeon quoi. Arrêtez de bouger comme des guignols. Ah, merci. Les étoiles en général. Ouh.
En pleine tronche. Non, mais recharge pas. Je me gourde au bouton à chaque fois. Juste à côté. Allez, sors ta petite tête. Oh, à chaque fois, c'est vraiment juste à côté, quoi. Là. Non plus, non plus. Une balle. Raté. Je suis vraiment nul. Là. Et qui me tire dessus pour que je le touche, quoi. Non, ça, c'est... Merde, il en reste un. Deux. Là-bas, au fond. Là-bas. Ce sera un civil, ça. Bon, apparemment, ils me font plus chier. Hein. On va arrêter de rigoler un peu. Hop. Voilà. Et le dernier. Oh, putain. C'était bien caché. Là, au moins. Putain. Putain gros, ça pue. Merde, t'es amoureux ou quoi? Ah. Je vais t'ouvrir la bouche. Pardon? Alors c'est qui a ouvert la bouche à qui? Là. C'est bon. Je crois que j'ai éliminé tout le monde, il n'y a plus le truc rouge. J'ai pas trop fait gaffe. La porte est ouverte et déverrouillée pour CityOS. C'est laquelle? Là-bas. Merde, je suis encore au snipe en plus. Putain, vite, sans ta tête toi. On a pas mort par ici les mecs. Oh putain, il est en jeu. Je l'avais pas vu lui. Oh non, je l'avais pas vu quoi. Et il y avait que deux points rouges sur la carte, ça c'est chiant aussi. Il t'indique pas les ennemis. Bon, de toute façon, je dois recommencer au point qu'il faut. Ce qu'on va faire. Lequel était pas mal? Non, c'est pas ça que je veux. Bon, on va s'outre la carte. C'est là, très bien. Ah, ben là, je les vois les points. Attends, il y en avait deux. Et quand tu veux tu crèves hein. Non. Lui il monte ses fesses t'sais. Vas-y mets moi une balle dans le trou de balle. Oula oula ça sent mauvais. Elle est où? Coucou coucou. Est-ce que vraiment tu viens te chercher? Putain ça part en couille là. Dans ta face sale bâtard. Bon, une balle dans la tête, c'est fini. Putain, c'est chaud, là, ça craint. Vas-y, balance. Oh putain mais il la lance sur lui-même la grenade. Alors, pas mal de trucs ici, tiens, regarde. Des balles. Regarde-moi tous ces distributeurs d'argent. Ils ont tous carottes. Moi ce que je préfère c'est mon petit D50 en or. Pourquoi il est pas en or? Ça peut le faire. Là.
Là, j'ai la classe. Soit je tue, soit j'échappe. Je vais m'échapper parce que ça fait déjà pas mal de temps. Je vais le taper. Il avance pas par contre le 4x4. Il y a une jolie jante dessus. Allez, voilà. Ok, on est dans la place, c'est parti. Putain, ma caisse est niquée. Deux. Ah, mais il a la même bagnole que moi. Oula, oula, putain, ils sont deux dans la caisse. Il faut des feux rouges. Allez, quelque chose est piraté. Ah, ça a pas dû marcher. Putain, mais quand j'appuie sur le carré, ça marche pas. Voilà, si elle neutralise pas. Oh putain, il y en a un qui aura réussi à me suivre. Putain, c'est chiant. Ah non, il a ralenti. Merde, je vois pas, merde. Mais bon, on est là, mec. Bah pardon, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Et voilà. Allez, c'est bon, on remballe. Il est parti plus longtemps. Alors, ça marche? Oui. On est connecté. T'as accès à tout aussi Fremont, maintenant. Au fait, je voulais te remercier. T'as vraiment été génial. Ah, je résiste pas à l'appel de l'aventure. Le boulot est terminé, du coup? Non. Ça ne fait que commencer. Faut que j'entre là-dedans, que je trouve des réponses, et que je libère ma sœur. Et une fois que t'auras des réponses, tu feras quoi? Je retrouverai qui a fait ça, et je m'assurerai qu'ils payent tous. Tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Lena. T'es toujours là? Ouais, je suis là. Bon, on se reparle bientôt. Donc, voilà, mission accomplie. Oh merde, j'avais zappé. Mon beau 4x4 que j'avais piqué à des gangsters. Tobias, comment t'as eu ce numéro? Je sais que c'est toi le justicier. C'est grave ça, comme accusation. Ouais, ouais, j'ai reconnu ta voix. Je me suis chié dessus la première fois que je l'ai entendu. Écoute, j'ai quelque chose qui pourrait intéresser un mec comme toi. Ce qui paraît, les flics seraient en train d'augmenter le nombre d'armes en circulation. Mais de quoi tu parles? Si les infos sont bonnes, ils les vendent carrément par caisse entière. Sous le manteau, bien sûr. Et la question c'est... pourquoi? Et où? Et qui? Tobias. Ok, ok. Je vais te montrer où ils font leur business. Mais après, ça sera à toi de causer. Ah, et oui, je veux que tu me cites dans ton manifeste. Mais j'ai pas de manifeste. T'en auras un.
Plusieurs caisses d'expédition vide ont été décimées à travers les villes. Chaque caisse mystérieuse contient de précieux outils artisanaux et un enregistrement audio a été laissé à proximité. Trouvez les 9 caisses pour débloquer une mission spéciale et révéler le secret qu'elles renferment. Pour savoir combien de caisses vous avez trouvées, consultez la route progression. Ok. Je n'ai pas regardé l'heure, mais je pense que... Enfin, là, on a fait 2 missions, donc on va s'arrêter là. Donc moi je vous laisse sur ça, j'espère que ce petit let's play vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo si vous l'avez aimé, et ciao tout le monde.